suis Liliane Obradovitch. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans cette école. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Suisse. En arrivant en Suisse, j'ai fait ma formation à la Haute École Pédagogique. Les enfants qui fréquentent l'école cantonale de langue française. Les enfants qui fréquentent cette école, on a beaucoup de nationalités, c'est la grande richesse de l'école cantonale de langue française. On est francophone, il faut être francophone pour entrer dans cette école en premier lieu ou avoir un lien avec la langue française. On a beaucoup d'enfants d'ambassade, certes, mais on a aussi des enfants, de personnes qui ne font pas partie des ambassades. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux parents des élèves d'ici? J'ai remarqué une chose en enseignant depuis des années. Mes parents n'avaient pas d'aide, n'avaient pas de soutien en arrivant ici avec un système qu'ils ne connaissaient pas, etc. Je me demandais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour eux, pour les aider. La première chose, il faut leur expliquer un peu le système, comment on fonctionne. C'est une chose qu'on a tendance à oublier. Les gens arrivent ici et ils ne connaissent pas du tout le système suisse. On a l'école obligatoire, après qu'on a un apprentissage, etc. Les gens arrivent, ne savent pas. Souvent, la plupart du temps, c'est encore les mamans quand même qui sont encore à la maison. Et ces mamans-là n'ont peut-être pas cette culture derrière. Et ça, pour ça, je me dis que ces dames, et je parle plutôt aux dames, doivent être informées en premier lieu. On doit les informer, leur demander. Voilà, chez nous, ça fonctionne comme ça. Votre enfant va faire l'école enfantine pendant 2 ans. Ensuite, il ira jusqu'en 8H et après, il ira en secondaire pendant 3 ans. Et après, à partir de ces 3 ans, il pourra faire ça, aller faire un apprentissage ou aller dans une école de commerce ou aller au gymnase. Déjà, dehors, leur expliquer le système. Ensuite, quand ce système est expliqué, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à se développer, à... déjà simplement les amener à la place de jeu. Dans certaines cultures, les places de jeu n'existent pas. Ce qu'on a remarqué ici, certains arrivent, ils n'ont jamais fait de puzzle. Chez nous, c'est clair. En Suisse, on a des jeux de société, on fait des puzzles, on fait plein de choses. Mais pour d'autres, c'est assez inconnu. Alors pourquoi pas leur apprendre déjà, leur montrer ce genre de jeu, leur prêter ce genre de jeu, pour leur permettre déjà permettre à l'enfant de développer certaines stratégies. Ensuite, dès qu'on arrive en 3H, répéter l'alphabet, très bêtement. Prendre le temps simplement de faire les devoirs avec l'enfant, de s'asseoir, même si on n'arrive pas à faire les devoirs. Juste le fait de s'asseoir et de voir « Ah, tu es en train de faire, je suis là. Je suis là pour t'aider. » Ça, c'est déjà un soutien pour un enfant, je trouve. Et si la maman voit que son enfant rencontre des difficultés, ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de venir vers l'enseignant pour se renseigner. Ici, l'enseignant est disponible et il est là pour donner des pistes pour l'enfant. Guider ses mamans à aller dans ce sens-là, je trouve que c'est important pour moi.